Nelson Chiquet, victoire 4 à 2 ce soir. On pensait au début que ça allait être un match facile pour vous avec cette avance de 2 buts. Et puis offensivement, on a eu une grosse panne et ça a été un petit peu plus dur pour vous par la suite. Non, je pense que c'est clair, on a vraiment bien commencé ce premier tiers. On a dit après les deux matchs, les premiers matchs qu'on a fait, les premiers tiers, c'était vraiment pas bon. Là, on a commencé avec un 2-0, mais après, on sait que même un 2-0, c'est jamais fini. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à faire le break. Ils sont venus avec un power play, puis après, ça a été serré tout le long du match. Vous avez su faire preuve de patience parce que Bellinzone est revenu à 2-2. Ça a commencé à se tendre un petit peu, puis malgré tout, vous avez eu le caractère à la fin de marquer ce troisième but qui a libéré tout le monde. Ouais, exactement, comme tu as dit, je pense qu'on en a fait preuve d'une bonne patience, on n'a pas paniqué. Je pense que c'est le pire des cas qu'on peut faire si on panique quand ils reviennent à 2-2. On sait qu'on a la force offensive pour scorer dans un cœur pour le moment, dans la troisième période. On a attendu et puis on a scoré ce goal et puis c'est comme ça qu'on a gagné le match. 3 matchs, 5 points, avec 2 matchs à Graben. Comment tu analyses ce début de saison du HCCR? On sent qu'il y a du positif, mais il y a aussi des points d'amélioration. Non, je pense que tout le monde le sait. Je pense qu'on a une bonne équipe, mais on peut faire mieux qu'on a fait ces 3 premiers matchs. On a travaillé, mais on sait que 5 points, on peut avoir beaucoup plus que ça. On sait que la saison est longue, on a encore beaucoup de chemin à faire et on travaille là-dessus. Merci beaucoup Nelson et bonne suite. Merci.